Et nous sommes de retour. Bienvenue, bonjour, sur moi-même qui est un singe à la recherche d'une femelle à engrosser. Elle est fertile, elle a eu cake. Et lui, il est sans partenaire. Tu t'appelleras plus Anne, tu t'appelleras Mort. Putain. Très bien, remplaçons-le et draguons cette petite poulette. C'est ça le gameplay émergent, immersif. Immersif. Bon, normalement, évidemment, les phases de socialisation, c'est en fin de live. Et là, je commence par ça, car j'ai scindé la vidéo en oubliant que j'avais des femelles engrossées. Et oui, quel jeu incroyable. Allez, viens, je t'ai toiletté là, viens là. Et bien là, je rappelle que tous les protagonistes de ce jeu sont majeurs, à l'exception des mineurs qui peuvent évidemment ne peuvent pas se reproduire. Bien évidemment. Qui vient? Mais non, mais viens pas, enfant. Terminons l'expédition, là, tu me fous la paix. Casse-toi. Laisse-moi avec ma nouvelle femme. Alors, nous sommes l'année 68, le jour 278, et nous allons donner naissance à un nouveau bébé. Putain, à chaque fois j'oublie de passer ça, ça me détruit les yeux. Je vais devenir aveugle à cause de ce jeu. Quelle belle mort. On a 3 enfants, et on peut encore s'accoupler un petit coup. Ça fera 2 familles vraiment séparées cette fois. Accouple-toi, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle a déjà 2 gosses. Mais oui, c'est vrai. Mais pardon. Oh, c'est... Oui, bah écoute, j'avais très envie, chérie. C'est moi. Je suis le singe d'infomane. Une femelle sans partenaire et fertile. Encore un boulot pour Locke. C'est Locke que je m'appelle? Comment je m'appelle? Ah non, c'est Mort. C'est encore un boulot pour Mort. Allez, mets-y un petit coup dans l'arrière-boutique. Un jeu incroyable. Je vous jure, ce jeu est bien. Ce n'est pas juste un simulateur de farm à bébé, mais bel et bien un chouette aventure où nous incarnons nos propres ancêtres. Ou bien sûr, les vôtres plutôt, parce que les miens... Bon, allez, c'est forcément les miens aussi, oui, évidemment. Ça c'est... Regardez, c'est ceux qui vont donner les humains, tu comprends? Tous les autres singes. Peut-être donner des trucs. Mais eux, spécifiquement, ils vont donner des humains, les homo sapiens. J'espère, on l'espère tous. Ok, on a 4 gosses, on peut s'allonger, on peut évoluer. Comme dans Pokémon, me diriez-vous? Absolument, tout pareil. Donc là, on a 4 enfants. On a 4 enfants. Et du métabolisme qui nous attend. Donc là, 1. Ah, durée d'immunité contre les empoisonnements, je m'en fous un peu. Je te le cache pas. Bam! Capacité analeptique, évidemment, on l'avait déjà débloqué, souvenez-vous, c'était il y a à peu près 15 minutes. Et rien d'autre. Dilatation temporelle et anale subjective. Le temps de réaction face à une menace est plus rapide. Bien sûr. Bien sûr, évidemment, bien sûr. Comment, que faire? Toi, es-tu encore fertile? Jeune demoiselle. Oui, allez, on en fait un petit dernier. Ah, on sait pas pour te forcer. Hein, mais... Le mec, il demande un petit peu d'encouragement, tu sais. Gestation, cette fois j'ai empêché le flashbang divin. Très bien, ce bébé a une mutation. On va prendre les bébés sans mutation. Peut-être vous comprendrez pourquoi si jamais on tombe sur une météorite. Oh, j'ai dit météorite? Eh oui, j'ai bien dit météorite. Ce bébé est mon bébé. Donc je peux le prendre en toute sécurité. Voilà, viens là.
Et toi aussi. Évidemment, j'ai pris un qui était mutant. Dégage. Voilà, j'ai deux qui ne sont pas mutants. Et pourquoi je ne prends pas des mutants? Je s'appelle des mutants, bien sûr. C'est très, très amical. C'est affectueux, quoi. Mais ce sont vraiment des mutants. Et j'en prends pas des mutants. Car, si jamais on trouve une météorite, car des fois des météorites s'abattent dans ce monde... Bah peut-être là, ouais, c'est peut-être une météorite. Non, c'est juste la pluie, c'est juste la pluie. Eh bien, ça donne un truc complètement incroyable. Les enfants présents, quand on ramasse une météorite, développent des mutations génétiques comme si venues de l'espace, tu vois. Donc ils ont bien mis toutes les théories possibles sur le sujet, les mecs. Ils ont voulu faire un jeu complet et ils l'ont fait, et ce jeu est génial. J'ai toujours dit. Alors, est-ce qu'on prendrait pas un risque? Non, on va évoluer de toute façon. Il n'y a pas besoin de migrer, là. Grosse ambiance de pluie. J'ai deux armes. C'est un build double arme. On est dans Dark Souls. C'est le Dark Souls du Miocène. Ouf. De toute façon, là, on a combien? 5 enfants. Ok. On aura juste à débloquer 2. 3, ouais, c'est ça. 2. Qu'est-ce que c'est? 2 mutations pour enfin changer d'évolution, machin, tout ça, t'as compris. C'est quoi le truc méchant qui nous attaque là? J'ai un os, moi, attention. Oh le bâtard. Oh, oh dans ta fif. Ouf. Micro. Tu as pas voulu comprendre. Ça va, pas de blessé? Non, tout va bien. Super. Tiens, bah écoute, prends ça toi. Voilà, tu seras en sécurité. Ne mangeons pas ce fruit pourri. Donnons plutôt la branche à Bernardo. Comment tu t'appelles? Wim. Tu t'appelles désormais Mu. Excellent. Casse-toi, facochère de merde. Je connais pas, moi. J'ai un os, moi. Tu vas tomber sur un os, mon pote. Mon pote aux pattes. C'est quoi ça? Découvrons ce truc. On va se donner des petites missions comme ça. Putain, c'est de l'autre côté du marécage. C'est peut-être une mission un peu dingo. Ouais, ouais, c'est peut-être un peu chaud, là. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, encore? Ouais, c'est vrai qu'il fait froid. Voilà. On n'aura peut-être pas aller bien loin hein, pour débloquer ce cinquième élément. Est-ce qu'on va pouvoir aller là et étudier ce truc? Mais oui, c'est pas si loin, hein, regardez. C'est tout près. Oh. Maman, il faut me croire, maman. C'est Chucky, maman. Et hop là. Il me tarde d'évoluer. T'es un Pokémon. Saint-Jix. Tu évolues en Saint-Jax. Et au niveau 55 en Saint-Jox. Ils seraient capables de faire des Pokémon comme ça maintenant. Ils ont plus aucune race. Souvenez les Pokémon. Est-ce que quelqu'un se rappelle des Pokémon? Non mais les Pokémon première génération, rappelez-vous. Ils étaient basés sur des reptiles. Pourquoi sur des reptiles? Les années 90, non mais allô. Hello. C'est Jurassic Park les mecs. Tout est basé sur ça et c'était incroyable. Tout ce qui sortait à l'époque sur les dinosaures, putain, c'était dingue. Mangeons cette feuille. Mange, mange, je dis mange. Tu vas m'écouter, bon dieu de singe. À l'époque où tout était axé, toute la vie était axée autour de Jurassic Park. Dans les bureaux de tabac, t'avais des magazines à la con importés d'Italie et de je ne sais où, de Roumanie, traduits à la balleuse bleue.
forcément un dinosaure dedans. La série de la famille Sinclair. Carrément des dinosaures directement. Entrons, Zoni. Qui se souvient de la famille Sinclair dans le chat? C'est excellent ça. Merde. Enfin, lui il va se manger de l'os jusqu'à ne plus en pouvoir. Barrez-vous tous là. On va commencer à me briser les couilles. Marchons debout. Mettons-nous debout déjà. Pour nous concentrer sur ce truc. Incroyable, n'est-ce pas? Eh oui, c'est français. Regardez, on va se poser là. On va poser notre petit truc. Toi, tu vas me donner... Toi, tu vas me donner ton truc. Voilà, merci. Ta branche. Et toi... Hop. Tu vas faire un bâton. Et avec ce superbe bâton... Tu vas sonder. Oh. On a trouvé un poisson. Tout ça à base de gameplay de main qui change. Quoi. Hop, regardez, je fais ça. Je peux altérer l'objet. Et récupérer le poisson. Ensuite, je l'inspecte. Et j'ai trouvé un saumon, un bar, pardon. Voilà. L'homme invente le bar. Circa 9 millions d'années avant notre ère. Oh, le gosse, il en veut, là, tu m'étonnes. Du bon saumon bien gras, là, du bon bar, là. Oh, mange la tête avec. Oh, ouais, ça fait un peu mal au bide. C'est une chasse assurée, ça, mais c'est pas grave. Ça valait le coup. Honnêtement défoncé. Ok, on ne peut rien faire avec cette tête de poisson, pardon. J'ai eu un petit bug, je me suis dit le jeu. Mais en fait le jeu quoi. Cette musique me trouble. On dirait un mec qui... On dirait le bruit que ferait... Un hypnomade ou un soporifique enrhumé. Je repense à Pokémon. C'est le singe qui avait un peu la chiasse. Y'a pas de soucis, t'inquiète, ça passe. En grimpant la falaise le matin. Alors que tu n'as pas dormi. Pour grimper les montagnes endormies, il suffit de chanter. Putain, je vais pas y arriver. Ah, complètement con ce singe. J'ai jamais vu un singe aussi con. Ça va mieux. En fait, voilà. Quand t'as la chiasse, tu n'entends pas les bruits de flûte pareil. Et ils ont raison. Ils ont raison, nombre de fois ça me l'a fait ça. C'était en public, un mec joue de la flûte, et d'un coup, bam, torboyau. Les bruits de flûte, généralement ils font... Et bizarrement quand je parle, les moments chiants où tu dois grimper me paraissent beaucoup plus... Beaucoup moins longs. J'ai l'impression que... Qu'il y a un petit bruit là. Un petit bruit lointain de bonus. Genre. Non mais là il faut découvrir. Voilà. Important, c'est très important ce qui vient de se passer. Ok, on tourne. Oh.
refuge de la cascade caché. Le refuge de la cascade tout court existe. Venez-vous. Oui, oui, bon, c'est bon. Waouh. Je viens de vivre un moment incroyable où d'un coup, je suis sur la cime des arbres. Je n'ai pas trop compris le concept rhétorique. Mais en tout cas, c'est bien stylé, là. Putain. Les mecs, ils étaient bien, quand même. Pourquoi est-ce qu'on a inventé la bagnole et toutes ces merdes? C'est parti pour l'évolution. On va se rentrer le popotin. Tranquillou bilou. Et tranquillou bilou, hop, évolution. Nice analgésie. Vous avez découvert comment faire de la codéine. L'immunité contre les blessures dure plus longtemps. Bah c'est bien. C'est super. Potentiel génétique du bébé. Putain, le mec, il est né avec un... avec des gènes de guerrier total. Ça, c'est quoi, ça? C'est le bébé mature. Génétique du bébé tout court. Ok, faut faire évoluer les bébés. J'ai dit quoi? Évolution. Ok, on a 5 renforcements. 1, 2, 3, 4. Oh putain, quelle merde. On va pas gâcher un truc d'évolution quand même, les mecs. On va s'entraîner à marcher dans l'eau ou alors à étudier des trucs. Allez, un petit neurone mature là. Je trouve que mes neurones sont bien matures quand même. Après, tant que ça s'exprime, t'as compris. Remplissons des jauges. C'est un jeu à jauge. Il y a des jeux à patounes et il y a les jeux à jauge. Tu connais les jeux à jauge? Tu sais ce qu'on va faire? On va pêcher. On va pêcher notre grand-mère, la chauve. Alors déjà, on va dormir. On sous-estime les bienfaits du sommeil chez le singe depuis de trop nombreuses années, je trouve. Dodo là. Jusqu'à 5h, 6h du mat à peu près. Ouais, 4h30, c'est très bien. Alors regardez, on va leur faire faire tous leurs petits exercices matinaux. Hop. On boit de l'eau. Et tous ils vont venir boire de l'eau. Et ça c'est beau, ça c'est l'esprit de groupe, ça c'est la synthèse collective. Les chiens qui couchent avec des chats, l'hystérie collective. On mange un petit peu d'herbe. On est bien. Maintenant, le plus important, c'est d'aller choper ces putains de branches, regardez. On marche dans l'eau déjà, ça fait des... ça fait des trucs. Notre cerveau aime bien. On prend une branche, on leur ordonne d'imiter. Ça va nous faire sauver un temps fou. On change de main et on les ordonne d'imiter. Yes. Ensuite on altère. Et on leur ordonne d'imiter. Ah, on peut pas. C'est génial. Ok, très bien, on a ça en tout cas. On peut aller tranquillos pêcher dans ça. Voilà, honte. Yes. Et on leur ordonne d'imiter.
Bien sûr, aucun ne va le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de branches pointues, putain. Et ça, c'est quand même dur, ça. Ça fait un coup de... un petit coup au cœur. Je vous le cache pas. Mangeons du bar. C'est bon, on va assimiler les trucs, ça va. On va marcher un peu dans l'eau, vous voyez, c'est toute une série d'exercices pour augmenter ces putains de neurones. Et si évidemment ça met 2 ans, ce serait trop simple. Et un peu trop rigolo. Ça fait les mollets, hein, faut pas croire. Là, les muscles des cuisseaux, bam. Et le mec est complètement crevé. Il n'en peut plus. Pose et bois. Non, il n'a pas besoin de boire, il veut manger. Et ils ont tout bouffé, ces bâtards. Voilà, mangeons de ça. Oh putain, merde, non, c'est, je suis bourré. Putain. Oh non. Vas-y, finis-le, bah ouais. Oh, il va faire une sieste. Arrête! C'est complètement sec. Non, mais il me fallait vraiment pas beaucoup. Laisse-moi augmenter mes neurones, je veux pas avoir à tout remonter. Allez, motricité, la motricité, la motricité. Prions pour la motricité dans le chat. Je veux un WPTF dans le chat pour la motricité. Merci. Putain, ça voudra pas. Ça va pas vouloir, hein, c'est dingue. Pause, prends. Chope, prends. Oh, délire. Yes, allez hop, communication, c'est réglé. J'en peux plus, ça fait 20 minutes que j'essaie d'évoluer. Putain, sans déconner. Ah, et là j'en ai 2 maintenant. Non, mais arrêtez. Ils sont sérieux, attends. Il va pouvoir trouver une autre femelle. Ah, t'es qui toi? T'es vieille, pardon, t'es un vieux mâle. T'es qui toi? T'as eu tes deux gosses, bouh. Attends. Ça dénichon ça ou pas? Oui, c'est trop tard. Toi t'as un mâle. Oh, tu es une femelle et tu es fertile. Bon. Écoute, tu seras un partenaire idéal. Laisse-moi te toiletter. Je joue une femme. Putain, mon dieu. Je joue une femme dans un jeu vidéo. Le wookiisme est là. Quelle belle femme. Allons s'accoupler avec ce mâle. Viens là, mon beau mâle. Je t'attends. Chérie. Oh, y a un espèce de yeuf qui est venu, il a essayé de me pécho. Salaud. Et je suis chaude là, je suis chaude. Et ben voilà, une naissance, une belle naissance en bonne et due forme. C'est ça qu'on aime dans ce jeu. Ah, bordel à chaque fois. Allongeons-nous. Pourquoi tout est blanc? Ok. Ok, ok. On va augmenter les neurones de la communication qui va nous permettre de demander aux membres du clan d'imiter un changement de main et l'altération d'un objet spécifique. Ça y est, ils vont pouvoir tailler leur propre bâton. Putain, mais on est bien là. On fait ça dès ça, l'anthropus, c'est énorme. Dextérité. Voilà.
ça veut dire que ça va aller plus vite. Pour faire des outils et des trucs et des machins. Allez, c'est parti, on change de génération. 1. Dépêche-toi. 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. C'est parti, 15 ans plus tard. Donc là, les adultes qui ont les gènes vont devenir des vieux. Et les bébés qui ont des gènes aussi mutants deviendront des adultes. Et on va pouvoir loquer ces améliorations en changeant carrément, en faisant un bond dans l'évolution. Et ça, c'est beau. On optimise à fond l'évolution. Là. Ça, c'est énorme. C'est Darwin. Merde. Respectez un peu Darwin, putain. 15 ans plus tard, oui, on a compris le pitch. Le pitch du film. J'ai renforcé ma lignée. Très bien. Donc je suis toujours la vieille femelle. Salut les gars. Bouais. On va prendre Bouais. On va prendre Bouais. Et pour s'assurer de pouvoir évoluer, on va faire un bébé à cette femelle. Avec qui je n'ai aucun lien. Et ça, c'est la gestion. La gestion d'un bassin génétique approprié. Allez hop. Voilà, après une demi-heure passée à faire baiser des singes entre eux, on va peut-être réussir à faire un bond dans l'évolution incroyable. Tonitruant, dont la communauté scientifique elle-même ne s'en remettrait pas. Ah, le mec est fou. J'ai regardé dans le blanc et le blanc m'a répondu. Putain, on va y arriver, je vous promets. Regardez. Évolution. Voulez-vous vraiment évoluer? Je le veux. C'est parti, détente. J'ai découvert le site remarquable Jonction des deux rivières. J'ai renforcé le développement neuronal de ma lignée, première phase 2. Très bien. J'ai établi un nouveau campement pour un clan de 2 à 3 membres. C'est bien moi. Vous avez établi un nouveau campement pour un clan de 4 à 6 membres. J'ai fait tout ça, évidemment. De 7 à 9 membres. Là, on a gagné 100 millions. De 10 à 12 membres. Non, mais attendez. Est-ce qu'on va s'arrêter un jour? J'ai utilisé au moins 2 fois le granit comme outil. Je suis en avance sur mon temps de 10 000 ans. J'ai esquivé au moins 2 fois l'attaque d'un battleur des savanes. C'était plutôt un gros bâtard des savanes. Merci, c'est tout pour moi. J'ai intimidé un mamba vert. J'ai défoncé un mamba vert. J'ai intimidé un phaco chargéant, bien sûr. De mes plus grandes prouesses. J'ai découvert le refuge de la cascade sous la jungle. Mais aussi, j'ai tué un machérodonte doré, ce qui est en avance sur mon temps quand même, de manière incroyable. J'ai aussi tué un mamba vert, on s'en souvient tous. J'ai failli mourir. J'ai utilisé au moins 2 fois le basalte comme outil. Et ça c'est... Je suis à 2 doigts de faire des cuisines en marbre. Vous avez utilisé le bon outil au moins 2 fois sur une carcasse, dont une fois sur une carcasse. J'ai intimidé un python de Séba. Ces bâtards de ses morts. J'ai aussi découvert le site remarquable des arches jumelles. Putain, j'ai fait un moins gros bond que la dernière fois. J'ai renforcé le développement neuronal de ma lignée, mais de manière incroyable. J'ai fait toutes les premières phases, dont 15 000 années, putain. C'est imperfect, hein, c'est ce que ça veut dire. Vous avez découvert le site remarquable du Grand Marais. Yes. J'ai aussi découvert le refuge sur la cascade. On s'approche de là, on s'est arrêté. Hein. Regardez. On a fait moins de 100 000 ans, c'est la honte. Putain. C'est en avance sur mon temps, quand même. Attendez, je suis mature. Neuronalement parlant. 222 500 ans d'année. Plus rapide que la science.
bond de l'évolution à ce stade, plus 745 000, même pas 750, même pas 3 quarts de million d'années, je suis deg. On aurait pu faire d'autres trucs, mais en même temps on a optimisé un mort. Attention parce qu'on a eu un mort, ça nous enlève 25 000 ans, putain. Mais 12 naissances nous en rajoutent 60 000. Let's go faire des gosses. Et voilà, bon de l'évoluer, bon ça rattrape un peu. Heureusement qu'on a baisé comme des malades. Comme on dit. Vous avez avancé dans le temps jusqu'à 8 298 305 ans avant ce jour. Et allez être ramené dans le monde pour rattraper le temps perdu avec votre ligne. C'est parti, j'ai envie de te dire, go. On n'a pas évolué, hein. Ça c'est la honte. Mais grave. Oh. Par contre, on est au meilleur endroit. Des bains à volonté. Alors, nous sommes une femelle. Putain. Attends, mais y'a que des vieux là. Qui êtes-vous? Décrivez-vous Ban. Et toi, tu es Bia. Tu as déjà un enfant qui s'appelle Sik. Remplace-le. Ok, superbe. Toi, tu vas te faire toiletter, ma belle. Je vais partager mes gènes avec toi, ça va être vite réglé cette histoire. Oh là là. Elle fait sa prude. Mais bien sûr, je rigole, arrêtez, pleurez pas tout de suite. On va se faire un petit lit douillet ici même. Dépêche. Voilà. Bon, je pourrais demander à quelques esclaves de venir m'aider, mais c'est pas non plus vital. Et c'est toi, faut que je te parle. Tu vas passer ta journée dans le noir. Ok. On a 4 herbes de cicadu natal. On peut se créer un petit plumard des familles. Ok, d'accord. Triso sapiens, n'est-ce pas? Voilà, là il est bien. Ah ouais, appelons notre partenaire et copulons gaiement sous la cascade. C'est le meilleur camp là, c'est... qu'est-ce qu'il est beau. Et facile d'accès, mais pas pour les prédateurs, j'espère. Pff, grosse baise. Grosse soirée baisse, c'est chez le singe. Putain. Si je peux pas me plaindre parce que je le sais, mais vraiment une demi-seconde avant que ça arrive, je le remarque beaucoup trop tard. Je me sens très con. Alors attends. J'espère qu'il y a un autre mâle dans ce patelin. Oh, damned. Et si, attends, on est 27 là. Regardez, là, il y a. Ok, le neuronal est actif. Ils disent qu'on a au moins 24 mâles. T'es qui, toi? Tu es en couple avec moi. Ok. C'est moi là? C'est bien moi. Où sont les autres? Vas-y, hein, tapez-vous vraiment. Tapez-vous le chemin jusqu'à la plage, genre, pas de soucis. Pourquoi ne vois-je aucun autre mâle? Darwin, j'invoque Darwin. Putain, je commence à avoir les yeux qui fatiguent de sa race. C'est qui ça? C'est la même. Ah non, c'est une autre adulte femelle. Bon bah écoute.
Allez, let's go. C'est la vie, c'est la vie, le cycle éternel. Appelons le partenaire. De manière très classe. Dépêche-toi. Un jeu qui prend son temps pour nous enseigner les choses les plus belles de la vie. C'est Ancestors. Donnons naissance à ce primate. Ah putain. Ah écoutez. Toi t'es qui? Tu es Hume. Remplace Hume. Elle est où cette catin? Elle est fertile. Eh bien, je vais t'engrosser. Malgré la différence d'âge, un jeu qui n'a pas peur d'attaquer des sujets un peu épineux. Oh, le vieux cri du vieux mâle bien fatigué. Ouais, mon chéri. N'hésite pas, cours vers moi, cul bien ouvert. Oh, pardon. Cet enfant qui regarde, pardon. Vraiment, c'est mal. Je vais esquiver cette fois. On peut me la faire 12 fois, mais pas 13. Ok, on a tous les neurones en place. C'est super. Toi. Chut. Tu vas porter des bébés sur ton dos. Ok, excellent. Ah, pardon, excusez-moi. Je baillais. On va se faire un petit tour et puis on va s'arrêter là, hein, je pense. Histoire de ne pas se gâcher le plaisir. Au prochain stade de l'évolution, promis, c'est l'évolution. En même temps, t'as compris. Ok, les manges. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais faire, mon Dieu? Merde. Bon écoute, on va leur dire de faire ça. Prenez un bâton. On va les préparer à la guerre. On va pas non plus se lancer dans une aventure de dingue. Changer de main. Imiter. Très bien maintenant. Voir s'ils arrivent à le faire. C'est génial, c'est génial. Et maintenant, yes, que des armées de singes armés. Est-ce qu'on se taperait pas un énorme exode là? Ouais. J'ai bien envie. Attends. On va se préparer à l'exode. Oh là, elle est un peu bourrée, elle. Chut, et les enfants. Porte le bébé, putain, la connasse. Oh, il y était. Voilà. Il en manque un, là, non? Oh putain, il est où ce petit con? Il manque un gosse, on a perdu un gosse. Il y a les deux, là il y en a trois.
Femelle, femelle, bébé. Putain, mais elle est bourrave. Elle est trop pichetave. Putain, je voyais double. Ah, oh, mais c'est dingo. Et où ce gosse? Putain, on va pas retrouver l'enfant. Mal aux yeux cette connerie. Bon, écoutez, je crois que l'Exode Day va pouvoir attendre. Car on ne trouve pas le quatrième enfant, celui qui a le gène magique. Quel casse-couille. Quel énorme casse-couille. Si je le retrouve, je le déglingue. Je lui pète les dents. C'est trop truc. Putain, en plus c'est voix double, comment tu veux le distinguer d'un caillou, le truc? Une gueule de caillou, ce môme. Oh, 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 oh. Bon, Kevin. Là-bas, c'est un vieux. Là-bas. Là-bas, c'est quoi? Mais pas toi! Oui. C'est une ancienne femelle sans partenaire. Triste vie d'une femelle sans partenaire. Toi. T'es un ancien mâle, et toi aussi. Et toi, t'es quoi? En fait, il est où cet enfant? Oh! Le petit bâtard. Qu'est-ce qu'il fout de si haut? Dépêche-toi, con de singe. Ma parole. Oh, évidemment, elle arrête d'être bourrée à ce moment-là. Évidemment. Eh bah, ben, oui. Eh oui, mais ouais. Allez, viens. Putain. Je te jure, ils auront ma peau, ces enfants. Reprends ton souffle. Tout va bien. Wow, wow. Je suis rentré dans trop de balles du singe. Ok, et donc là... On est face à une adulte femelle qui n'a qu'un enfant. En grossement partie, quoi. Toi, tu en as deux. Et toi, tu es une ancienne femelle. Tu es un mâle sans partenaire, alors tu vas me suivre. Attends quoi? Ok, j'ai mon bâton dans les mains, c'est pour ça que je ne peux pas lui faire des papouilles. Allez, on va faire des petites papouilles. Ouais, des papouilles. Waouh! Here we go! Ok, c'est parti. Allez, le dernier bébé du stream, je vous jure, promis. On arrête avec les bébés. Je tombe littéralement de sommeil. Pas de flashbang, merci. Et on a eu un enfant. C'est super.
Allez hop, on se casse. On va faire un petit coup quand même. Regardez. Pour sauvegarder la partie. Let's go! Let's go! Waouh, mémoire à long terme. Il est possible de se souvenir de la position d'un site spécifique supplémentaire. Nous avons appris le repérage. Il est possible de se souvenir de la position d'un site spécifique supplémentaire. Ça fait 3. Une frappe réussie inflige plus de dégâts et c'est un bébé, souvenez-vous, qui avait ce gène. Le mec était chaud du cul, c'était l'élu. Maintenez M pour amorcer la contre-attaque et orienter L et blablabla. Toutes les menaces génèrent moins de peur. Quel jeu incroyable. C'est quand même du délire. Et normalement là, ça sauvegarde. Et oui, et on est là, on est bien, regardez. Est-ce qu'on a pas l'air bien? On a l'air vraiment d'en chier dans notre vie de singe. C'est beau. Moi je trouve ça beau. C'était Swan de Lattre pour l'ASMR de la jungle. Avec une voix incroyable qui vous a guidé dans un périple incroyable, une aventure de toute ancœur, de toute envergure. Vous voyez que je commence à bafouiller, c'est vraiment qu'il est 6h08 du matin. L'insomnie commence à s'estomper et je commence à avoir envie de rejoindre les bras de Morphée. Je vous souhaite une bonne nuit. On va dormir en même temps que le singe. Allez, bisous. Un deuxième. Le mec il pète un plomb. C'est pas vrai.